Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur la box Nature Curieuse. Donc comme vous aviez pu le voir sur ma chaîne, j'ai reçu la box Nature Curieuse donc du mois de septembre. Donc c'était celle-ci, donc la box découverte. Donc voilà, pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos. Et du coup, je souhaitais vous donner mes avis par rapport aux produits que j'ai pu essayer. Donc je commence tout de suite. Alors, donc il y avait 5 produits. Donc dans un premier temps, il y avait les cookies. Alors attendez, c'était les cookies choco banane. Voilà, c'est ça. Chocolat banane, donc qui était dans un sachet comme ça. Donc il y en avait 10. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus. Ils étaient vraiment excellents. Je les ai mangés assez rapidement parce qu'ils étaient petits et ils étaient vraiment très très bons. Donc du coup je les ai vraiment appréciés. Ensuite j'ai testé également le jus de pomme au gingembre qui était dans une petite bouteille comme ceci. Donc voilà, elle faisait 24 centilitres. Donc jus de pomme je connaissais, le gingembre aussi, mais les deux mélangés j'avais jamais goûté. Donc du coup j'ai trouvé qu'il était bon en petite gorgée. Donc moi je l'ai pris, je l'ai bu petit à petit parce qu'en fait un verre entier j'y arrivais pas parce que le gingembre c'est vraiment très très fort. Donc du coup j'ai bu petite quantité par petite quantité, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mauvais. Voilà du coup pour ce produit, et donc c'était la marque Luscombe. Donc pour l'instant je ne sais pas encore si j'en rachèterai parce que le gingembre ça a vraiment un goût très important, mais à la rigueur pourquoi pas voir ce que cette marque propose. Ensuite j'avais reçu des mini galettes de riz qui se présentent comme ceci, donc je ne les ai pas finies. Ça me fait l'occasion de vous montrer comment elles sont. Donc elles se présentent comme ça. Donc en fait c'est des mini galettes de riz, donc comme les galettes de riz qu'on peut trouver en supermarché, c'est juste en fait qu'elles sont salées. Et donc ça permet d'avoir un petit apéritif. Donc je les ai trouvées bien bonnes. Voilà, en fait c'est des galettes de riz salées. Voilà, rien de plus à dire, elles sont bien bonnes. Je ne les ai pas encore finies, donc à moi de les terminer. Ensuite, alors pour les deux derniers produits, donc il y avait de la poudre de curcuma. Donc voilà, un gros gabarit, celui-ci faisait 150 grammes. Donc j'en ajoute de temps en temps à mon alimentation, donc une cuillère à soupe, voire à café, des fois ça dépend. Cuillère à café ou cuillère à soupe, ça va dépendre de ce que je mange. Voilà, le curcuma a d'énormes bénéfices au niveau de la santé. Donc j'ajoute petit peu par petit peu parce que trop de curcuma, ça me rend un peu malade. Donc du coup, voilà, petite quantité et franchement très très bien, rien à redire. Très économique le petit système au-dessus pour se servir, donc parfait. Et ensuite pour le dernier article, donc il s'agissait des algues, donc de la marque Dulce, donc qui se présente comme ceci. Donc je l'ai testé juste deux fois pour l'instant. Donc je m'étais fait un taboulé sans gluten avec du millet et d'autres petits ingrédients, et j'en ai profité pour en rajouter dessus. Donc bon, au niveau couleur ça faisait très coloré, c'était super sympa à voir. Par contre c'est salé, les algues sont salées, j'avais déjà salé mon taboulé, donc ça faisait un peu trop salé, mais bon c'était pas grave, pour la prochaine fois je le serai. Donc voilà, je l'ai juste pour l'instant testé sur une entrée froide, donc après à voir. Donc je vais rechercher d'autres repas pour pouvoir l'intégrer, et voilà pour cette algue. Petit récapitulatif, donc en barre d'infos je vous mets bien sûr la vidéo où je vais vous présenter les produits, ainsi que tous les liens pour accéder à ces produits, un peu la pub que j'avais également, les liens des sites, enfin voilà, je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et bien sûr je tenais à remercier le site Nature Curieuse de m'avoir fait découvrir cette box sans lactose, sans gluten. Pour les cookies c'était sans œufs également. Donc franchement j'ai vraiment apprécié, j'étais vraiment très très contente de découvrir tout ça, beaucoup de choses que je ne connaissais pas, j'ai vraiment aimé. Bien sûr j'ai vu qu'il y avait la box d'octobre qui était sortie, les produits semblaient vraiment très très bien, mais bon je ne me la suis pas commandée. Il y a celle de novembre aussi qui est sortie,
Et celle de décembre, je me tâte un peu, donc je vais voir si je peux me permettre de la prendre. Donc merci beaucoup à Nature Curieuse de m'avoir permis de tester cette box. J'ai été vraiment ravie de découvrir ces produits, de pouvoir les tester, parce que du coup je les ai testés sur du plus ou moins long terme, donc c'était vraiment parfait. Merci encore à vous, et bien sûr j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.